On peut dessiner aussi avec la gomme effacée, un petit peu comme ça. Il faut qu'on arrive à donner l'impression que ça tourne comme ça. Ici, il y a de l'ombre. Ça devient un travail de précision.
Alors, comme la fleur tourne ici, par rapport à cette ligne d'ombre, ça découpe net à gauche, mais ça fend à droite. Alors, je vais le fendre un petit peu ici. Donc ici le pédoncule de gauche là, je vais y aller juste avec l'estompe. Parce qu'il est en arrière, je ne veux pas lui faire un découpage trop fort. Celui-là ici, il a un ombrage en dessous comme ça. Découpage net ici, un ombrage plus large à gauche qu'à droite, et là il y a un ombrage comme ça aussi. Et là il y a l'ombre de la fleur qui fait une petite diagonale ici. J'utilise la pointe de l'estompe pour adoucir la ligne de contour et créer les ombres. Et même un petit peu la texture. Donc là-bas derrière, je vois le pédoncule dans l'ombre. Pareil, c'est en arrière, j'y vais juste avec l'estompe. Et ici, pour que la fleur se détache, là, le pédoncule, je veux dire, on va dessiner le contour avec les faces. Alors je continue ici, la feuille est très foncée. On y va pour une deuxième couche.
Oui, j'ai laissé un petit peu la ligne centrale. Je l'atténue, mais elle est encore là. En arrière, il y a une autre feuille qui sera moins forte parce qu'elle est en arrière. D'ailleurs, on la retrouve un petit peu ici. La feuille qui est en aplat. Si je sais pareil, il faut marquer les ombres et les lumières. C'est sûr, ça ne va pas être aussi précis qu'au crayon. On a un papier qui a du grain, puis la sanguine est assez grosse quand même. C'est pas trop très très fin. Ça, c'est une feuille un peu plus en arrière là-bas, mais qui se découpe un peu plus par ici parce qu'elle vient un peu plus près de nous. Donc elle est pas mal foncée.
Avec un petit peu de lumière par ici. Et la nervure. Oui, si elle est trop large, la nervure, je peux venir un petit peu avec l'estompe, la rendre plus fine. Il y a un certain degré de précision qui est impossible. Avec la sanguine. Ok, il y a une feuille là-bas derrière. C'est pour ça qu'il y avait tout ça. Vous voyez, parce qu'elle est derrière, je la fais moins foncée. J'utilise juste la sanguine qui était déjà sur l'estomac. Comme ça, elle est un petit peu plus floue, elle paraît plus en arrière.
Les feuilles, même si elles sont très claires par la lumière, elles seront jamais aussi claires que les parties claires de la rose. Fait que ici, vous voyez, à la fin, je vais venir quand même avec mon doigt juste à peine un peu colorer. À peine, les parties qui sont vraiment très éclairées, très lumineuses. Donc elles n'auront plus vraiment la couleur pure du papier, mais une teinte à peine un petit peu plus foncée. Et c'est pareil, ça sera pareil pour la tige. Si on salit un petit peu le papier avec les doigts, ça s'efface très bien parce que ça n'est jamais assez appuyé pour que ce soit difficile à effacer. Donc là, il me reste la feuille qui vient vers nous, qui elle est vraiment en raccourci. Elle est à peu près toute dans le même ton. Il n'y a pas vraiment une partie plus ombragée qu'une autre. Sauf la pointe qui est plus éclairée ici. La foncer un petit peu plus. C'est un petit peu des nervures plus à l'horizontale. Il faut vraiment nous indiquer le sens de la feuille. Puis après ça, on peut faire des petites finitions. Parce que là, le dessin est terminé. Je vais augmenter un petit peu le volume de la fleur en augmentant les ombres ici du côté gauche.